Salut, j'explique le concept de la vidéo, très simple, ok? Trois étapes, on s'en va au Hollywood Boulevard où il y a toutes les étoiles par terre. Lisanne et moi ici, comme ça. On se fait des équipes de hockey de stars. Avec les meilleures équipes les plus fortes en choisissant les étoiles qu'on va avoir décidé de choisir. Il y a des étoiles à terre. On va choisir les étoiles qui nous sont nos préférées au monde. Ça va faire partie de notre équipe de stars de rêve. Fait qu'on marche sur la rue, on se choisit 5 étoiles chaque. On explique pourquoi on décide que ces stars-là soient dans notre club. Après ça, on revient à la maison et on décide quelle star est en quelle position de notre équipe. Et vous aurez à écrire dans les commentaires quelle équipe entre celle-là, Alexandre, et la mienne, pensez qu'elle va être le plus performante au hockey. Parfait, on s'en va là. Thanks a lot. Have a good one. You too. Appreciate it. OK. Oh, on sort du bar et je suis présentement sur... Edmund Lowe. J'ai aucune idée de qui. C'est Edmund Lowe. Ça, c'est qui? Ça serait Melvin Douglas ici, là. On aurait Melvin. Alors, c'est comme ça que la vidéo commence. Coco, t'aurais trouvé ton premier player dans ton équipe de star. Il s'agit de... Walt Disney. Présentement, hypocatrigéné parce qu'il avait le cancer, il a été gelé là. Et pourquoi t'as décidé de le prendre dans ton A-Club? Parce que c'est un gars qui a plein d'esprit créatif. Ok, bravo! Ok, on a déjà un petit fight à savoir qui prend Will Ferrell dans son club. Mais je pense que tu le connais mieux que moi. Je sais même pas c'est qui. Je te demande une chose, je peux te céder Will Ferrell, mais si on croise l'étoile de Eminem, je prends Eminem. T'es en train de me bargainer ça? Je te bargaine. C'est lui qui donne la meilleure raison de pourquoi qu'il a le droit d'avoir Will Ferrell, le droit de l'avoir. Ok, moi ma raison c'est parce qu'il a le même début de nom que Will Smith. C'est une raison de merde, moi c'est pour qu'il élève le spirit de notre équipe. Okay. On a Walt Disney qui on a Will Ferrell. Va à côté là, on va te montrer. Fait que Will Ferrell et Alexandre. T'as deux, bravo, je n'ai pas un Chris encore. Je viens tellement de trouver mon troisième, je suis extrêmement excitée. Joey Johnson, il est dans ma team. Pourquoi? Parce que c'est f***ing The Rock, tu penses quoi? Pas besoin de rien expliquer. Oui, j'en ai sorry, thank you man. Ah, j'en ai même pas un encore. Ok, je sais qu'on n'entend à peu près pas présentement, mais j'ai choisi mon premier pick avec un énorme plaisir. C'est le président actuel des États-Unis, Donald Trump. Attends un peu. Et voilà, premier joueur de mon équipe. Pourquoi? Pas compliqué. À cause de sa puissance. Après Donald Trump, avec un immense plaisir, j'ai décidé de choisir un groupe. J'ai décidé de choisir un groupe. Destiny's Child. Avec un immense plaisir, my man. C'est un groupe, fait que c'est une étoile qui représente plusieurs personnes. Ça veut dire que là, j'ai un énorme atout. Ce sont des belles filles, mon amour. Ils vont être capables de, genre, déranger The Rock. J'ai présentement la troisième personne de mon équipe, j'ai choisi une Québécoise. Et moi, mon équipe va être constituée principalement de femmes. J'ai décidé parce que les femmes, je trouve que c'est des femmes fortes. J'ai décidé de prendre Céline Dion parce que c'est une femme forte. Son fils, il s'appelle René Charles. Moi, j'ai décidé que j'allais prendre Steven Spielberg parce que là, Walt Disney, qui lui a les idées, puis il y a Steven Spielberg qui lui est bon pour mettre en scène les trucs. Réaliser c'est les idées malades que Walt Disney va avoir. Ma blonde a quand même pas tort là-dessus. Fait que là, t'es à 4 là. Je viens de faire un choix très judicieux. Je vous explique comment ça s'est passé dans ma tête. Ici, il y a un gars qui s'appelle Dick Van Dyke. Personnellement, je ne sais pas c'est qui Dick Van Dyke. Par contre, il y a le mot Dick dans son nom. Et vu que j'ai un club constitué principalement de femmes, moi je veux que mes femmes soient bien traitées. C'est des femmes fortes. Il faut qu'il y ait quelqu'un de cool avec eux pour prendre soin d'eux autres pis tout ça. Puis je m'imagine que si le gars il y a le Dick dans son nom, c'est qu'il va être bon pour ça. C'est pour ça que j'avais décidé de prendre Dick. Maintenant, on va aller voir sur Google si c'est une merde ou pas. Alors, je suis quand même assez content parce que Dick Van Dyke, c'est un acteur américain qui a l'air très, très, très G. Puis je sais qu'à le voir, ils vont prendre soin de Céline puis des Destiny's Child. J'ai décidé que mon choix final était Meryl Streep. Fait que j'ai choisi Meryl Streep parce que j'ai pas de femme dans mon équipe, puis Meryl Streep c'est la comédienne. Quand tu penses cinéma, tu penses Meryl Streep. Tu sais, j'ai aucune idée c'est qui. Ici à la côté pour officialiser le pic. Bing! Pour mon prochain choix, j'y ai bien pensé. Il n'y a pas une tonne de raisons en sorte que j'ai décidé de prendre ce strongman-là. Il s'agit de Phil Collins. Phil Collins pour mon club, c'est un atout qui est très stratégique. Vous allez entendre pourquoi dans une seconde. Avec mes lunettes parce qu'il y a vraiment
soleil. Est-ce qu'on entend bien, les amis? Ok, alors, on est le lendemain, la shot où qu'on est allé sur le walk-off. L'après-lendemain, si on veut dire la toute vérité. Non, ouais, mais la toute vérité, on va essayer de la cacher un peu. Fait que disons qu'on est le lendemain, mon cul. Et là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est qu'il faut qu'on close nos clubs. Fait que là, on a choisi chacun 5 personnes selon les étoiles où qu'on a décidé que c'était nos stars prêts. Et là, on va les mettre dans notre alignement partant pour notre gros match de hockey. Va être la Coupe de Stanley 2018. Je précise, je connais pas ça le hockey. Je connais pas mes équipes, tu sais, ça se pourrait soit pas très bon. Ok, fait que je prends 30 secondes pour t'expliquer comment ça se passe, ok? Dans un alignement partant de hockey, t'as un gardien de but, t'as deux défenseurs, t'as un ailier gauche, t'as un centre, puis t'as un ailier droit. Les deux ailiers puis le centre, c'est l'attaque. Les défenseurs, c'est eux qui sont pas à l'attaque. T'as de l'ailier crâne. C'est dégueu, arrête. Fait que je vous fais le recap de quel joueur qu'on a décidé de prendre. Lisande, elle a The Rock, Will Ferrell, Walt Disney, Steven Spielberg, puis Meryl Streep. Et moi, j'ai Donald Trump, Destiny's Child, Céline Dion, Dick Van Dyke et Phil Collins. Fait que moi, je vais me mettre avec deux bons attaquants. Il y a de combien d'attaquants? Trois attaquants. Va être un attaquant pas bon. Bon, deux bons attaquants qui vont compenser pour moi. Fait que je vais être avec The Rock puis Will Ferrell parce que Will Ferrell, il est grand. Mais attends, est-ce là, toi, t'es au centre, elle est alliée gauche ou elle est alliée droite? Moi, je vais être à gauche. Je vais être à gauche. Ok, si important. Tu snaps avec un hockey, t'es quel bord que t'es? Gauche. Ben non, mais montre-moi les. Fait que c'est non, ça. Non, je suis ce bord-là. T'es ce bord-là? Je le sais pas. Ouais, mais t'as jamais fait, t'as jamais snappé au hockey? Malade. Bon. Attends, quand je serais ce bord-là, j'allais ça. Tu serais ce bord-là? Fait que être à l'allié gauche, c'est une bonne chose parce que ça te donne plus d'angle. Attends, là... wow, je suis dans la merde là. Parce que moi, je veux un bon gardien de but. The Rock, il est gros, il va prendre le but. Comment ça marche, le tu hockey? Veux... Là, tu me dis que ton avant, t'étais toi avec The Rock puis Will Ferrell. Mais là, si tu peux changer, là, il est pas trop tard. Tu peux mettre The Rock dans le but si tu veux. C'est lesquels les rôles les plus importants? Mais c'est parce que si j'ai. Le rôle le plus important, c'est le centre. Le centre, je calisse The Rock. The Rock au centre. Lui qui fait les mises au jeu. C'est quel le moins important? C'est un de tes deux défenseurs. Fait que je vais être défenseur. Ok. Tu fais quoi avec Spielberg puis Meryl Streep? Meryl Streep, ça va être l'autre. Parce que moi, quand je ramassais mes étoiles, je pensais pas vraiment au hockey. Je me disais, ça ferait un esti de bon film. Ah ah! Ben d'abord, je devrais. S'ils sont pas pires dans les commentaires, ils devraient avoir vu ça, puis moi, ça devrait faire gagner. Ok, fait. Mais The Rock au centre, toi puis Meryl Streep, vous êtes à la défense. Yes, sir. Il te reste Walt Disney puis Will Ferrell. Quel prend quel bord? Walt Disney. Moi, je mettrais Walt Disney au but, moi. Et tout. Walt Disney au but. Walt Disney au but. Spielberg, allié gauche ou allié droite? Allié droite. Puis Will Ferrell. Allié gauche. Bon! C'est ton club! J'ai mon club. Next! Récapitulatif, Walt Disney Danette, Spielberg puis Will Ferrell sont les alliés. The Rock est au centre. Toi puis Meryl Streep, vous êtes à la défense. T'es un crise de club, pareil, hein? Ok, ça c'est fait. Moi, je vais avec mon équipe. J'ai décidé que pour la puissance, j'allais prendre Donald Trump et j'allais le mettre au centre. Parce que il finit tant par gagner. Et gagner des mises au jeu, c'est très important au hockey. Après ça, il se démarrera à l'attaque. Deuxième des choses, j'ai décidé de mettre Destiny's Child comme défenseur. Vu que c'est un petit groupuscule, ils vont pouvoir se tenir de même, faire des barrières quand The Rock va essayer de rentrer dans ma défense. Et en plus, Destiny's Child, vu que c'est des belles filles, ils vont full déconcentrer The Rock. Fait que ça va être un très bon atout pour moi. J'ai décidé de mettre Céline Dion dans mon but. Elle fait des grands gestes, elle a des grands pads. Elle va pouvoir avoir des pads de goaler qui sont super grandes. Pendant les temps libres, ben, elle va pouvoir pratiquer son chant. Moi, j'ai décidé que j'allais être allié droit. Et moi, je snap de même, fait que ça va me donner un bon angle. Je vais mettre Phil Collins allié gauche, parce que des fois, il va pouvoir venir voir Céline Dion en arrière, il va pouvoir pratiquer le chant les deux ensemble. Et finalement, Dick Van Dyke. Dick Van Dyke va s'occuper à la défense de mes filles de Destiny's Child. Il faut qu'eux autres soient entertainés. Il faut qu'ils prennent soin de mes Destiny's Child. Alors, maintenant, en commentaire, vous devez nous dire quelle pensée qui sera l'équipe la meilleure dans la Coupe Stanley 2018. Fait que dites-nous ça. Toujours en étant le plus heureux possible. Et je... Ouais, pourquoi? Ok, j'arrête de parler. C'est sur ça, je vous dirai chichi. On va gagner, mon club est fort à crête. Ah, j'ai un esti club. Tu vas te faire péter. Tu vas te faire péter. Moi, je pense que le monde dans les commentaires, pis t'as pris Trump, pis ils vont voter pour moi. Tes poches.